Petit message important, il se peut que dans cette vidéo, des masques tombent, los mascas tombas, voilà, que des personnes que vous aimez bien, bah, sont peut-être pas si sympas en vrai. Désolé par avance de la déception, bon visionnage. Tiana, concentre-toi, je compte sur toi, ok? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir enfin ma petite sœur. Comment ça, ma petite Tiana? Très bien. Aujourd'hui, tout va reposer sur tes épaules, d'accord? Je ne lui ai pas encore expliqué. Écoutez, c'est une idée que j'ai eue pendant que je me douchais. Je sais pas d'où ça m'est venu. Pourquoi il rigole? Écoutez, du coup, on reprend. Donc, nous étions... Bon, allez. Tiana, tu sors, on va faire une... je vais faire une vidéo tout seul. Voilà, voilà. Du coup, j'étais sous la douche. Et je me mettais de l'eau, me demandais pas comment. Je suis aware. J'étais sous la douche en train de me mettre de l'eau. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu une idée. Pourquoi on ne testerait pas la gentillesse de mes amis? Pourquoi je ne dirais pas à Tiana d'appeler mes potes au téléphone et de se faire passer pour une personne extrêmement fan? Et du coup, on verrait leur réaction. Je dis tester la gentillesse de mes amis, mais quand même on rentre dans le domaine privé en vrai. C'est jamais agréable de recevoir une personne inconnue au téléphone qu'on connaît pas et qui a notre numéro de téléphone. Donc déjà il va falloir passer cette barrière, et ensuite ce qu'on va essayer d'obtenir, Tiana, tu vas dire que c'est ton anniversaire et tu demandes une vidéo. Alors, évidemment ils vont te demander direct qui a donné le numéro. Tu dis c'est Darko, mais tu dis pas que t'es Tiana, hein. Oui. Donc du coup tu devras demander une vidéo pour Marina Japtank. Et Marina Japtank, ça veut dire Tiana ma prank. Faut qu'on remet les lettres à l'endroit. Vous avez toujours rêvé de savoir si ces personnes étaient des vrais ou des faux gentils. Enfin, ou pas, parce que moi, par exemple, je m'en fous. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous donne l'occasion de vérifier avec ma petite sœur qui va les appeler en anonyme et se faire passer pour une petite fan toute mignonne qui demande une petite vidéo pour son anniversaire, c'est trop mignon. Bon, j'arrête, je commence à devenir gênant. Va-t-il y avoir un seul de mes amis qui va accepter de faire cette vidéo malgré cette intrusion dans la vie privée? C'est ce que nous allons découvrir. Est-ce que t'es prête à piéger mes potes? Oui. C'est parti. Attention Tiana, on va appeler Julien en premier. T'es prête hein? Oui. Ça va être dur hein. Allô Julien? Allô? Allô Bastien? Oui. Allô Tiffany? Oui. Allô Adé? Allô. Allô Amy? Oui. Oh je t'aime trop. C'est qui? C'est qui? C'est quoi cette petite voix là? C'est Marina Japtank. Comment t'as trouvé mon numéro? C'est Darko qui me l'a donné. Tu l'as donné? Oui. Comment? Je l'ai croisé dans la rue. C'est vrai? Tu t'as donné mon numéro, toi? C'est Darko. Mon Dieu. Tu es avec lui, là? Non. Mais comment t'as eu mon numéro? J'ai croisé Darko dans la rue. Darko? Oui. Ah, ça, c'est une blague encore. C'est pas la petite peur de Darko? Non. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Est-ce que je pourrais avoir une vidéo, s'il te plaît? Comment t'as eu mon numéro, Marina? Joyeux anniversaire d'abord. Merci. Joyeux anniversaire. Quel âge tu as? 11 ans. 11 ans? Ah, super. Bon, bah, joyeux anniversaire. Ah, bah oui, écoute, je vais pas une vidéo. Merci. Ah, ok, bah écoute, je te fais de gros bisous et je te souhaite un joyeux anniversaire. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 12 ans. Oh, comment je peux ne pas dire oui? Tu veux que je te dise quoi dans la vidéo? Tu veux que je fasse un petit message mignon, non? Pour ton anniversaire? Oui, pour Marina Japtank, s'il te plaît. T'as dit quoi? Marina Japtank. Ça va, je peux dire juste Marina? Non. Pourquoi non? Parce que mon nom, c'est Marina Japtank. Japtank? Marina? Marina Japtank. Ok, ok. Oui? Japtank, c'est comme ça qu'on dit? Japtank. Japtank. Allez, ça marche. Bisous, Marina. Je vais venir faire un tour, en tout cas. Merci. D'accord. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est ça. Merci. Je raccroche, je fais cette petite vidéo et je t'envoie ça, ok? Ok, merci. Gros bisous. Bisous. Tu as quel âge? J'ai 11 ans et je vais avoir 12 ans. Eh ben écoute, profite bien, je te fais plein de bisous. C'est les vacances pour toi, non? Oui. Eh ben écoute, passe de bonnes vacances alors. Gros bisous, ma belle. Bye. Merci. Elle est trop mignonne. Elle est trop gentille, Tiffany, hein? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est gentil. Hein. Il m'appelle moi. Ouais, bon. Tu donnes mon numéro aux gens dans la rue, peut-être? Hein? Quoi? Une petite fille de 11 ans qui dit qu'elle a eu mon numéro parce que toi tu l'as donné dans la rue. Non, j'ai rien donné, frérot. Hein. Bon,
vidéo. Bon, bah, c'est sympa, frérot, hein. T'es un mec gentil, toi. C'est trop mignon. Bon, bah, vas-y, je te rappelle, je suis en tournage. Alors, attends, on a reçu la vidéo de Bastos. Salut Marina, je voulais te souhaiter un joyeux. Tiana, tu crois pas que tu vas me pranker, non? Moi, Bastos, le roi du prank. Tu crois pas que j'allais reconnaître ta voix? Vous avez un nouveau message. T'as reçu la vidéo? Salut Marina, j'attends, c'est Julien Géloen. Je tenais à te souhaiter un joyeux. Darko Tiana, comment j'ai fait encore pour me laisser avoir? Je sais pas combien de fois que vous me prankez. Je sais pas combien de fois que j'y crois encore. Laissez-moi tranquille. Il nous a cramé, putain. Ils nous font tout ça. Putain, c'est terrible. Si t'es avec lui, Nagla, c'est toi. Non. Pas sur moi. Il est pas là. Est-ce que tu protèges ton grand frère à ce point-là? Je suis tellement habituée à toi. C'est terrible, c'est pas moi. Tu es prêt à m'attendrir avec une enfant? Putain, j'essaye de voir si mes potes sont gentils et je n'y arrive pas, tout le monde nous crame. Mais oui, mais parce que mec, il faut que tu changes de blague. Enfin, on est nuls quoi, on se fait piéger pendant toutes les vidéos en fait, c'est nous qui nous font pranker en fait finalement. Putain, il va t'envoyer ta vidéo. C'est, on a peut-être trouvé le premier de mes amis qui n'a pas cramé la blague et qui va t'envoyer la vidéo pour Marina Jabtank. Je viens de recevoir un message d'AD sur Insta. Putain. Darko. Je t'ai encore cramé, toi et ta petite sœur. Quand est-ce que t'arrêtes tes conneries putain? Tout le monde nous a cramé. On est vraiment trop nus, hein. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, quelle est la conclusion? Est-ce que mes potes sont vraiment tous gentils, en fait? Donc n'hésitez pas à les appeler, je vous donne leur numéro tout de suite, 06... Non, je rigole. N'hésitez pas à nous donner des idées dans les commentaires pour des futurs pranks. Parce que là, c'est quand même très nul ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est fait cramer à chaque fois. Ouais. Je suis pas très fier de nous, Tiana. La prochaine fois, on fera mieux. Oui. N'hésitez pas, si vous voulez revoir ma petite sœur juste ici, mettez plein de pouces bleus. Mon frère qui est juste là, merci à lui. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis n'oubliez pas, c'est très très grave. Yeah. Il y a de s'abonner. Abonnez-vous. Oui, enfin, ouais. Donne plus d'arguments quand même, Tiana, parce que, hein, abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous. Et là, on a dit de donner des arguments. Oui, Tiffany. Je connais par cœur. Frérot, t'as cramé direct ou pas? Non, bah en fait non, j'ai vraiment cru. En fait, c'est quand je raccroche avec toi. Ouais. Et en fait, tu m'as dit, je te laisse, je suis en tournage. Et là, j'ai percuté, et puis je me suis dit, bah, c'est encore un prank de Darko.